Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est, oh quel hasard, 8h30, hein, si vous vous demandiez à quelle heure je me lève, ça doit être à peu près vers 8h20. Pourquoi on y retourne? On y retourne parce que ce matin à 8h30, mon cerveau m'a dit, hey, mais attends, tu pourrais faire un peu mieux que ça. Mon cerveau est un vrai connard, je sais, parce qu'il me file les idées une par une, au lieu de me les filer, pardon, tout en vrac. Mais comme il me file que des bonnes idées, je peux pas lui dire t'es gentil, tu vas te faire voir, je suis obligé d'essayer de les mettre en œuvre. Et là il vient de me dire mais pourquoi est-ce que tu n'aurais pas tous les tokens de la planète que tu veux au lieu d'être limité par un nombre précis qui est rentré en dur dans la feuille? Ce à quoi je lui ai répondu, bah ouais, non mais c'est pourquoi pas, mais comment? Et il m'a dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, tu vas insérer une case où tu vas rentrer un chiffre qui va rentrer dans une base de données, c'est le nombre de tokens que tu veux. Et après, chaque page va créer autant de tokens qu'il y a de chiffres écrits dans la case. Tout simplement. Bon, alors je lui ai dit banco. J'espère que cette fois-ci, YouTube me fera pas le truc bizarre de la fois d'avant, où... Pour ceux qui ont regardé, la vidéo se met à figer, tout simplement. Elle reste complètement immobile, puis à un moment elle se réveille, et j'ai l'impression que c'est le moment où j'ai commencé à faire des trucs en accéléré. Ça lui a pas plu, on va dire ça comme ça. Donc on verra, peut-être que je ferai pas d'accéléré du coup, parce qu'il faut pas déplaire à YouTube. Hein. Donc, nous revoilà à l'endroit où tout se passe. Et nous revoilà... sur le champ de bataille. La vraie difficulté, ça va être que un token, c'est pas simplement une image qui apparaît, c'est tout un tas de fonctions qui apparaissent autour pour agir sur le token. Et elles sont pas nécessairement placées au même endroit. Ça veut dire que cet appel à une base de données pour récupérer le nombre de tokens présents, il va falloir le faire à vue de nez, je dirais, au moins trois endroits différents. L'endroit où il y a le token avec l'image, l'endroit où il y a tous les outils pour le faire apparaître, disparaître et mettre ses états, et l'endroit où il y a ses points de vie et où on peut choisir quelle est l'image du token. Et je dirais qu'a priori, il suffit que ça marche à un endroit pour que ça marche à tous les endroits. Commençons par la base, c'est-à-dire boire du café. Parce que je tiens ma tasse en main depuis 10 minutes et j'ai toujours pas vu une seule gorgée. La base de la base de la base, je dirais... Il me dirait qu'il faut que je me mouche. Je dirais que... Je dirais qu'il faut allumer le serveur. Oui, le matin au réveil, c'est pas toujours facile. Je dirais qu'il faut allumer le serveur. Et je dirais qu'il faut créer l'endroit où va être stocké le nombre de cases que je veux. Ça me semble être la base. J'ai ici une base très courte qui sert à pas grand chose. Et je dirais que je dois pouvoir stocker le nombre de tokens ici dans cette case là qui sert à rien. Les deux cases du dessus, elles stockent. Peut-être pas parce que c'est une colonne texte et pour pas m'emmerder, j'aimerais bien une colonne nombre. My token au pluriel. Voilà, my token. Et j'ai rien besoin de changer. Valeur par défaut. 4. Pourquoi 4, me direz-vous? 4 parce que en fait, il faut pas que j'aille en dessous de 4.
J'ai forcément les trois premiers tokens qui sont les trois joueurs, et ceux-là, ils seront pas négociables, en fait. Ils seront toujours écrits en permanence, et la création commence à partir du numéro 4. Qui est finalement soit le premier PNJ, soit le premier adversaire. Donc, j'ai ma base, c'est mage, et c'est my tokens au pluriel. Ok. Ça, c'est fait. On va s'appeler ça en début de page. On va choper un appel. Toujours chiant de choper un seul appel. Les cases ont tendance à défiler beaucoup trop rapidement. C'est super chiant. Allez, continue. Putain, c'est trop tôt. Ah, c'est relou. C'est le seul aspect relou de ce truc. C'est que le slide est violent. Mais alors, violent de chez violent. À un pixel près, tu vas à la fin de la page en claquant des doigts. Bon, je vais récupérer que ça, parce qu'au moins je l'ai. Au moins je l'ai. Voilà, donc j'ai un appel et je vais select my token from mage where ID égale 1. Parce que les autres on s'en fout. Tout simplement. Et pour la conserver. Pour la conserver. Est-ce que j'ai besoin? Oui, il faut que je la conserve. On va appeler ça. Token num, non, on peut rester avec réponse, on peut garder réponse. Par contre ici, on va appeler ça, voilà, token num. Après réponse peut varier, je m'en fous, j'ai stocké le résultat dans token num et je vais même le descendre en token int. My tokens, voilà, sans faute, merci. Voilà. Donc j'ai une variable qui est appelée avant toute chose, qui s'appelle donc token int. Et token int correspond au chiffre. Il y aura dans la base de données, donc actuellement, stoken int est 4. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, c'est là qu'on s'éclate. Au lieu d'écrire à chaque fois ces longues cases, ici, au lieu d'écrire ces longues cases, il faut que j'écrive une seule case autant de fois, avec un pauvre while, je pense. Je sais pas pourquoi je m'embêterais à faire autre chose de différents, ce qui veut dire que pour une question de lisibilité, je vais en isoler une, voilà, et celle que j'ai isolée, je vais simplement m'amuser à bien la découper pour qu'elle prenne bien de place. Pour pouvoir mieux la travailler. Ici, ici, ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout ce qu'il y a là doit être reproduit autant de fois qu'il y a de chiffres dans token int. Et ben c'est parti, hein. C'est parti, sachant que il faut que je remplace le chiffre 4 partout où il se trouve par token int. On y est. Voilà, cette petite chose là fait que, fonction du nombre qui est rentré et mis en base de données, il y a plus ou moins de tokens. Alors là, c'est juste le menu qui permet de les activer. Il faut
faut juste que je transpose cette phrase-là, ce paragraphe-là, dans l'endroit où l'image du token apparaît, et dans l'endroit où les points de vie et le menu déroulant apparaît. Ok. Eh ben, on va, hein. On va faire. Alors, avant de tout foutre en l'air, ce qu'il y a, c'est que je n'agis pour l'instant que sur les tokens 4, 5, 6. Comme ça, ça me laisse les autres en dessous, et si jamais il faut que je fasse machine arrière, j'aurai qu'à faire un sympathique copier-coller pour tout remettre en place. Voilà. Voilà les tokens des PNJ. Voilà le 4. Ici. Le 5 en dessous, le 6 en dessous. Ça veut dire qu'il faut que ces phrases-là s'inscrivent dynamiquement. Eh ben, puisqu'il faut... on va... Allez, voilà la phrase magique. Voilà la phrase magique. Faut remettre la variable 40 à 4. Donc ça veut dire que tout ça est formidablement utile. Par contre, la query n'est plus la même, hein, elle est vachement plus tendue. Je sais pas si j'ai pris le select. Ouais, j'ai pris le query et le select. Voilà. Donc. Il faut que je change ça en guillemets. Donc la query est conforme à la query officielle du 4, on va dire. L'ID se change par $count. Ok, tout va plutôt bien. Si je veux respecter ce que j'ai fait, je récupère à chaque fois ce que j'ai appelé, pour raison de simplicité, et en fait, je la mets dans une variable autonome. C'est-à-dire que par exemple, axe z, c'est x donné axe z. Voilà, et je peux enlever la fin. C'est une petite particularité pour les images. Voilà. Ce qui veut dire que il faut que je prépare, on va dire, toutes les variables que j'ai récupérées pour que je les colle dans des petites variables un petit peu autonomes. Xpos, c'est Xpos. Ce qui veut dire que maintenant, je n'ai pas à écho cette phrase-là, qui est la phrase du menu d'apparition. Qui n'est pas courte, hein, comme vous pouvez le constater. Il va falloir que je transforme tout ce merdier. Il faut d'abord que je récupère ça. Ça, il faut que je le transfère. Donc, il faut que je le transfère. Donc, on va le virer d'ici. Ça, c'est sûr. Et on va le transférer. Alors, je vais juste mettre mon while
un peu en retrait pour arriver à repérer où il commence et où il s'arrête, sinon je vais me perdre. Voilà, donc il faut que je le transfère, il faut que je le transfère a priori ici. Ok, je n'ai plus besoin de ça puisque je l'ai déjà intégré. Ok, là par contre, là ça change. Là, ça change. Là, ça change parce que l'autre jour, on a inclus le fait que la taille du token était dynamique. Donc, on a déjà du PHP qui s'insère là-dedans. Et je dirais qu'en fait, ce qu'on va faire, pour se simplifier la vie, c'est qu'on va pré-calculer. On va pré-calculer le nom de la classe. Ça veut dire que S-class, ça devrait, ça pourrait être égal à token i, sauf que avant token i, on va lui dire on peut lui dire de plein de façons différentes, mais on va faire comme ça. S-class égale token i. Ok. Et on va lui coller derrière if mySize 0 égale b. En fait, S-class égale big token i. Donc, fonction de mySize, c'est l'un ou l'autre. Ce qui veut dire que ici, au lieu de faire la requête, j'aurai qu'à insérer directement $class. Cool. Il n'y a plus qu'à faire l'écho. Ça, ça va être funky. Donc on va virer ça pour l'instant. Faut insérer tout ça. C'est fifou. Hein. C'est fifou. Allez, on y croit. Ça va être chaud patate, mais on y croit. Tac, on le prend. On le rentre dans le écho, on le colle. Et là, c'est la grosse merde. Donc, on y va. Ok. On y est. On y est. Ça veut dire que les trois trucs que vous avez là devant vous, voilà, trois qui sont là, ils apparaissent dynamiquement, alors que les autres sont apparus statiquement. Ils apparaissent parce qu'il y a marqué 6, et que le passage en PHP a créé le token 4, le token 5 et le token 6. Ils sont là, ils interagissent parfaitement aux ordres que je leur donne. Je peux parfaitement faire apparaître les principes d'état. Je peux parfaitement les faire reset. Voilà, ils se rangent en invisible. Tout marche. Il n'y a plus que ça là. Il y a toute cette partie qui se trouve sur une autre page. Qu'il va falloir que je rende voilà, aussi dynamique, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça s'incrémente en fonction de ce fameux chiffre de combien de tokens je veux. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus à avoir des tokens qui servent à rien dans un coin. C'est si j'en veux 6, il y en aura 6, si j'en veux 12, il y en aura 12, si j'en veux 20, il y en aura 20. Ok. 10h26, j'ai un rendez-vous à 11h15, ce qui veut dire qu'il faut que je bouge mon cul à 11h, donc j'ai une demi-heure pour essayer de résoudre ce léger détail. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Toujours sur la même logique, et ça fonctionne.
dans tous ses points de vie et tous ses menus déroulants, les trois premiers n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils sont créés dynamiquement. Le changement d'apparence fonctionne, le changement de point de vie fonctionne, tout fonctionne. En fait. Tout fonctionne. Intéressant, hein. Intéressant. Il manque plus qu'une seule chose, il manque plus qu'un seul élément, c'est la case dans laquelle je rentre le nombre de tokens que je veux. Et très honnêtement, je pense que je vais passer par un menu déroulant où il y aura marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. etc. quoi. Ce sera toujours plus simple d'un coup de souris de sélectionner le bon score que de devoir l'écrire à la main. Donc un tout petit menu déroulant qui va sûrement se situer à peu près ici, quoi, voilà, là où il n'y a rien. Et une fois que ça sera fait, il faudra faire disparaître tout ce qui n'est pas écrit dynamiquement. Ça veut dire tout ça là. Tout ça va disparaître et n'apparaîtra que quand je rentrerai le bon chiffre. À une exception près, le dernier tout en bas, le gros token, c'est le token géant, et celui-là, comme il a sa propre CSS et que la façon dont il est écrit ne ressemble pas du tout aux autres, celui-là il va rester en bas tranquillement. Peut-être même le déplacer ailleurs, faudra voir. Mais non, on est content. Bon, ben on y retourne pour cette petite case et puis c'est réglé. 10h40, intérêt à me dépêcher un petit peu quand même. Ça y est les cadavres, il est 15h18, je suis rentré de ma réunion à 14h. Ça fait donc 1h18 que je suis en train de terminer, puisque 11h est arrivé et que j'ai dû me sauver. Mais tout était pratiquement résolu à 11h en fait. Ça fait une heure que je peaufine les petits détails, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire que j'ai réussi à placer cette génération dynamique à trois endroits différents. Un qui a été plus problématique que les autres, c'est le fameux de la div qui se rafraîchit pas, enfin de la page qui se rafraîchit pas, et du coup justement, pour qu'elle se rafraîchisse sans provoquer le rafraîchissement de la page entière, j'ai dû mettre tous les points de vie et tous les menus déroulants pour choisir les images dans un objet HTML5 de type texte qui appelle une page dans laquelle il y a simplement les cases, les points de vie et les menus déroulants. Et j'en ai profité pour faire en sorte que les menus déroulants soient tous en un. Vous savez que j'avais toujours gardé un petit peu à part la case créature gigantesque en fait. Et en termes de visuel, c'était pas géant d'avoir ce truc en bas qui se baladait. Donc du coup, j'ai mélangé ensemble toutes les images, tous les tokens, en créant la catégorie énorme qu'il n'y avait pas avant. Et j'ai passé un certain temps à relier les classes de CSS internes au token à la classe du token parent. Donc du huge token. Et ça fonctionne, il y a eu quelques ajustements, il a fallu bien vérifier que les petites bulles, les petites infobulles apparaissent bien au bon endroit. Mais le fait est que ça fonctionne. Donc j'ai remplacé tout ça sur les tables de jeu des joueurs, qui désormais n'auront plus à télécharger que vraiment les tokens présents et pas tout un tas de tokens invisibles qui peut-être serviront à rien. C'est fait, alors si vous voulez voir le résultat, voilà le résultat. Vous voyez que en apparence, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à avant. Hein. Il y a toujours les points de vie sur la droite, il y a toujours le menu déroulant contenant les informations, etc., etc. Il y a toujours les tokens, mais il n'y en a pas en bas invisibles qui attendent. Et en fait, si je veux en faire apparaître, il suffit ici que je sélectionne combien de tokens je veux. Et il me fait apparaître autant de tokens que j'ai demandé.
Et ensuite, j'ai qu'à... Alors, vous voyez qu'en fait, là, il y a déjà des images dans les tokens, etc. Il y a déjà des points de vie. Ça vient de l'époque d'avant, en fait. Les informations sur les tokens sont toujours en base. Donc, quand je lui dis de les faire apparaître, il récupère les informations d'avant. Il les a pas effacées, il les a pas oubliées. C'est pour ça que tout est déjà un petit peu pré-rempli. Mais si je prends, je sais pas, ce gars-là, par exemple. Voilà, viens ici, Coco. Le voilà, et que je dis que ce gars-là, en fait, je veux que ça soit un ours. Ben, c'est un ours, tout simplement. Là, c'est magique. Et si je lui dis, je veux plus que tu sois un ours, mais je veux que tu sois un dragon vert. Eh ben, c'est un dragon vert. Voilà, c'est aussi con que ça. Maintenant, je peux vraiment faire apparaître les tokens que je veux quand je veux où je veux. Et si j'en ai pas besoin de 9, mais que j'en ai besoin que d'un. Dès que la page va se mettre à jour, voilà, il n'y a plus qu'un emplacement de token. Le dragon vert a disparu puisqu'il n'est pas censé apparaître. C'est bon, c'est réglé, c'est en place. Si j'y avais pensé, je l'aurais fait dès le début. Mais je progresse comme ça, pas à pas, sur certaines avancées, certaines idées, qui parfois reviennent en arrière, hein, parce qu'elles sont pas si bonnes que ça. Mais alors, celle-là, croyez-moi que je suis pas prêt de la laisser tomber. Elle est quand même assez géniale. Alors, je sais pas si je vous ai montré. Ça n'a rien à voir avec maintenant, hein, mais j'ai changé l'apparence des dés. Voilà, j'ai trouvé ces dés-là. Qui, alors, c'est marrant parce que... une personne qui les a vus me disait que ce sont de jolis dessins. Eh ben non, ce sont pas des dessins, ce sont vraiment des dés. Ce sont des dés en métal, un petit peu brossés, un petit peu pas trop luisants, quoi. Et c'est vrai que découpés comme ça, on a l'impression qu'ils sont faux. Et en fait, ils sont 100% vrais. Et ils rendent plutôt bien. Et j'ai aussi changé, du coup, le dé d'initiative. Alors j'ai mis le dé 12, parce qu'il était assez joli. Il me fallait un dé plutôt rond et... ma foi, il fait assez bien l'affaire. Et j'en ai profité pour changer l'apparence des cases dans lesquelles apparaissent les initiatives des joueurs, des PNJ et des adversaires. Voilà, ça ressemble à des espèces de petites bannières avec des coloris très précis. Je suis pas mécontent. Il y a vraiment, vraiment plus grand chose qui manque. On se rapproche. Allez les cadavres, ciao.